prenez à 8h du matin, à 14h, il n'y en a plus dans votre sang. Donc si vous ne prenez pas la prise suivante, les bactéries qui sont restées, qui sont encore présentes, se retrouvent dans une situation idéale d'absence antibiotique ou de concentration suffisamment faible pour qu'elles développent des résistances. C'est pour ça que quand on vous dit 3 fois par jour, c'est bien 3 fois par jour, c'est pas 2 fois par jour. Donc la notion d'horaire est fondamentale. Autre élément très important, certains antibiotiques ont un impact considérable sur la flore commensale, c'est-à-dire à chaque fois que vous prenez un antibiotique, certes vous tentez d'éradiquer un foyer infectieux, mais vous modifiez l'ensemble de votre flore digestive. Et enfin, il y a des antibiotiques qui ont des actions favorisant l'émergence de résistance, les quinolones par exemple, qui favorisent le staphylocoque doré et qui sont aussi un antibiotique qui va favoriser des résistances sur le bacille de la tuberculose. Donc les traitements courts, qui sont mieux observés, moins de résistance, meilleur prix, moins de toxicité et d'efficacité identique. Surtout pas d'association, c'est exceptionnel les indications de faire 2, 3 ou 4 antibiotiques en même temps. Et surtout ne pas réduire la dose. Quand on vous donne 3 grammes, ce n'est pas 2 grammes, parce que si vous prenez 2 grammes, la concentration est insuffisante pour tuer. Et donc ça va favoriser d'abord l'échec thérapeutique, donc la persistance de l'agent pathogène, et surtout favoriser le développement de résistance. Vous voyez que c'est très complexe finalement et qu'on est vraiment dans un problème écologique environnemental. On était parti d'un couple bactéries-antibiotiques. En fait, il faut déjà tenir compte de l'individu, qui est à chaque fois différent, chaque personne est différente, de l'infection qui est là aussi spécifique, ça fait déjà un niveau de complexité important. Deuxième niveau de complexité, ce que je vous ai esquissé, c'est que finalement, il n'y a pas que l'homme, mais il y a aussi les animaux de rente, les animaux de compagnie, l'hôpital, la ville, les abattoirs, l'aquaculture, vous voyez que tout notre environnement est concerné par l'exposition aux antibiotiques. Et enfin, troisième niveau, on se retrouve avec une problématique planétaire, puisque l'antibiorésistance touche l'ensemble de la planète, que les bactéries sont là depuis quasiment 4 milliards d'années et qu'elles ont appris à évoluer partout, au fond des mers ou dans des pays pour lesquels on n'a pas d'informations. Si j'ai mis l'Afrique, ce n'est pas pour rien, c'est qu'on n'a quasiment aucune information sur le taux de résistance en Afrique. Les quelques coups de sonde qu'on a pu donner sont extrêmement inquiétants. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on traite beaucoup par antibiotiques, souvent par des mauvais antibiotiques, sous-dosés, avec un marché du médicament qui n'est absolument pas contrôlé. Donc on est dans un monde très vulnérable, avec des interactions multiples, avec des systèmes très sophistiqués, d'échanges par avion, et finalement très difficiles à contrôler. Et il faut très rapidement adopter une démarche d'épidémiologie, savoir exactement quel est l'impact de l'antibiorésistance sur la population mondiale. Quelques perspectives scientifiques pour terminer. L'épidémiologie et l'évaluation sont évidemment indispensables. Les outils de modélisation vont être très utiles. On fait de gros progrès en génétique et en immunité. Par exemple, on s'est rendu compte que certaines personnes avaient des déficits génétiques très ciblés qui les rendent plus susceptibles aux infections bactériennes. On a les moyens aujourd'hui d'avoir un diagnostic en temps réel. Donc il va falloir favoriser ce diagnostic. En une heure ou deux, vous pouvez savoir quel est le type d'infection, quel est l'agent et quel est le mécanisme de résistance. Et puis on peut proposer un certain nombre d'innovations qui ne sont pas des antibiotiques. D'abord, modifier les bactéries. Alors attention, on peut jouer aux apprentis sorciers, mais on peut commencer aujourd'hui à diminuer le pouvoir pathogène des bactéries. Deuxièmement, mettre en place des compétitions entre bactéries, c'est-à-dire qu'on vous inocule des bactéries non pathogènes, qui ne provoquent pas d'infection, mais donc qui vont prendre la place des bactéries pathogènes. Donc c'est simplement de la compétition entre bactéries. On peut trouver des vaccins ciblés, en particulier sur le staphylocoque, ou on peut réfléchir à des nouveaux antibiotiques ou à des nouvelles modalités. Certains proposent même le retour à la phagothérapie. Les phages sont des virus spécifiques des bactéries qui peuvent détruire certaines colonies bactériennes. En tout cas, l'urgence est à l'adoption de nouveaux comportements pour tous. Et ces comportements sont finalement assez simples. D'abord, pour rappeler un certain nombre d'éléments clés. Toute fièvre n'est pas une infection. Toute infection ne veut pas dire qu'on est face à des bactéries. Je vous rappelle que les angines, les otites, les rhinopharyngies sont la plupart du temps virales et les antibiotiques n'ont aucun impact sur les virus. Donc présence de bactéries ne veut pas dire infection. On peut avoir des bactéries sur la peau, on peut avoir des bactéries dans les urines parfois sans que ce soit synonyme d'infection. L'antibiothérapie est exceptionnellement urgente, elle ne sert à rien sur une fièvre. Et surtout, ce que je vous ai dit tout à l'heure, bien respecter la posologie, la dose, les intervalles, le bon usage. La prévention vaccinale est aussi efficace. Le BCG, par exemple, évite les tuberculoses graves. La grippe vous évite d'être ensuite surinfecté par un agent infectieux. Le pneumocoque est aussi indiqué pour certaines personnes fragiles.
La prévention de la transmission croisée, je vous en ai parlé, les solutions hydroalcooliques sont très efficaces pour éviter la transmission entre personnes, en particulier pour le staphylocoque doré. Et à l'hôpital, on réfléchit maintenant à des techniques de bio-nettoyage qui permettent de désinfecter une chambre après le passage d'un malade. Vous imaginez bien que si vous avez 10 puissance 13, 10 puissance 14 bactéries par gramme dans les selles, on peut avoir des contaminations massives de l'environnement hospitalier. Et enfin, bonne pratique là encore, réduire les actes invasifs, diminuer le nombre de cathéters, le nombre de sondes urinaires, tout ce qui permet de faire franchir aux bactéries votre barrière cutanée en particulier, et éviter les hospitalisations inutiles. Voilà, je terminerai par cette phrase prophétique de Charles Nicolle, qui est aussi un médecin français prix Nobel, qui avait parfaitement anticipé l'évolution des maladies infectieuses et des bactéries, et qui a eu un prix Nobel pour la découverte du typhus en 1928. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. C'est donc un tableau à la fois sombre et plein d'espoir auquel nous sommes confrontés. Peut-être une première question, Jérôme, parce que dans la panoplie des outils qui permettraient d'alléger le fardeau de l'antibiorésistance, on ne voit pas la spécificité française. Autrement dit, est-ce qu'on comprend pourquoi on a une telle appétence en France, non seulement pour le Bordeaux, mais également pour les antibiotiques? Alors, une des pistes sur l'exposition antibiotique, c'est le graphe que je vous ai montré sur la campagne antibiotiques sont pas automatiques, c'est que les Français, et en particulier les enfants français, étaient très exposés, la spécificité française étant qu'une grande part de la population pédiatrique est en crèche et en école maternelle. Alors, on sait très bien que c'est dans le bas âge qu'on a le plus d'infections, essentiellement virales. Or, vous avez peut-être croisé déjà... visiter des crèches ou des écoles maternelles, la plupart des enfants sont sous antibiotiques. Il y a même eu des épisodes où on disait qu'on n'admettait pas votre enfant s'il n'était pas sous antibiotiques. Au sens qu'il a de la fièvre, il a le nez qui coule, donc mettez-le sous antibiotiques et on le reprendra demain. Donc ça, c'était vraiment un défaut de stratégie, un défaut de communication et une des causes de l'exposition antibiotique. Ensuite, il y en a beaucoup d'autres. Vous savez qu'on est aussi les rois de l'automédication et qu'on a tous des antibiotiques dans la pharmacie. Aujourd'hui, les pharmaciens devraient délivrer, si c'était possible, uniquement une cure antibiotique et ne pas vous permettre de repartir à la maison avec deux ou trois boîtes supplémentaires. Donc l'automédication joue beaucoup. On n'est pas non plus les plus mauvais élèves. Il y a des pays, en particulier du pourtour méditerranéen, qui ont des taux de résistance encore plus élevés. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que les politiques nationales n'ont aucun intérêt aujourd'hui si les politiques ne sont pas synergiques et collaboratives au niveau au moins européen. On a vu arriver des résistances de partout. La dernière résistance la plus médiatique s'appelle NDM pour New Delhi Métallo-Bétalactamase, donc elle est arrivée de New Delhi. Vous imaginez le flux de migration qu'on peut avoir aujourd'hui par le tourisme et par les avions, donc les bactéries et les résistances voyagent aussi vite que les humains, avec les flux animaux qu'on connaît et qu'on décrit maintenant, ben, ça n'arrange rien, et donc voilà, la réponse est globale. Donc on ferme les crèches et les maternelles. Il avait été proposé de diminuer la présence des enfants de moins d'un an l'hiver dans les crèches collectives. C'est un vrai sujet. Que pensez-vous des écrans tactiles que l'on nous impose un peu partout à la poste, dans le métro? Est-ce qu'il peut y avoir une contamination du fait que des centaines de personnes posent leurs mains sur ces écrans? Merci. Des contaminations aux antibiotiques? Non. Aux bactéries. Ils sont tous contaminés. Ils sont tous contaminés. Les deux objets les plus contaminés de votre vie, c'est le téléphone portable et le clavier d'ordinateur. Et les micros aussi. Ils ne sont jamais nettoyés. Donc plutôt que de tout nettoyer, l'idée est en fait de réduire votre contamination manuelle par l'utilisation du lavage des mains. Mais le problème, c'est que les écrans tactiles à la poste ou dans le métro, il faut enlever les gants. Donc, ça ne marche pas. Votre alcool. Non, mais vous lavez les mains après ou avant de. Il y a les boutons d'ascenseur aussi. Oui.
pas l'ascenseur. Non, non, certains ascenseurs ne marchent qu'à la chaleur. Le main nu ne m'inquiète pas, au contraire, parce que quand on a les mains sales, on se les lave. Alors, en milieu hospitalier, justement, voilà, il faut penser à se laver, il faut penser à ce que nous disaient nos grands-mères, qu'il faut se laver les mains avant de manger, c'était une très bonne idée. Les gants sont presque un mauvais ami, parce que quand on est avec des gants en milieu hospitalier en particulier, on se protège, mais on contamine l'environnement. C'est-à-dire que finalement, on n'imagine plus qu'on est porteur de bactéries puisqu'on a été en contact. On fait des différentes activités, on sort de la chambre, et c'est là qu'on contamine l'environnement. Oui, retour sur les usages nationaux. Pendant des années, l'Allemagne a montré qu'elle utilisait beaucoup plus les sulfamides. Est-ce qu'elle a un taux de résistance aujourd'hui plus faible que nous? Oui, c'est une très bonne question. Il y a un choix de famille antibiotique. Il y a des antibiotiques pour lesquels on a moins de résistance.